Vous avez intérêt à mettre un maximum de commentaires sous cette vidéo. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette très courte vidéo. Alors oui, je sais, je dis courte vidéo au moment où je lance l'enregistrement, mais il suffit que je me mette à parler pour qu'on arrive à 40 minutes. Non, normalement la vidéo sera très courte, je sais même pas si elle fera 10 minutes. Mais bon, comme vous pouvez le voir, je suis en pyjama parce qu'aujourd'hui mon bidou a décrété que je ne travaillerai pas. Voilà, depuis hier, il fait des siennes, hein, monsieur, enfin un gros caprice là. Donc en plus, comme vous le savez, je vous l'avais dit dans l'autre vidéo, j'avais pas dormi avec la pleine lune, donc j'en veux pour la pleine lune à chaque fois de dire la pleine lune. Je sais pas, il va se passer un truc à la pleine lune, je sais pas, j'en sais rien parce que en ce moment j'arrête pas, je bloque sur pleine lune. Voilà. Donc on verra bien, je sais pas quand est-ce que ça tombe la pleine lune là. C'est le 19 décembre. Voilà, la pleine lune c'est le 19 décembre à 5h35 du matin, heure française. Voilà, donc bah écoutez, on verra bien ce qui se passera le 19 décembre. Hein. Bah en plus, on sera deux jours avant Yule, donc peut-être, oui, peut-être qu'il peut y avoir des énergies particulières. Bon, ça, c'était pour la partie prédiction. Il fallait bien que je vous dise quand même un petit truc à vous mettre sous la dent. J'allais pas vous laisser comme ça. Oui, donc je vous disais que mon bidou me fait un gros caprice là depuis hier soir. Donc concrètement, je me sens pas l'énergie de vous faire quelque chose, vraiment pas. Mais par contre, je suis tombé sur quelque chose ce matin qui m'a gonflé. Alors attention, là je vous vois déjà dire ah ça y est, Jojo va nous faire un coup de gueule. Qu'est-ce que c'est encore? Non, rassurez-vous, c'est pas quelque chose de méchant, pas du tout. C'est plus en fait de la frustration que vraiment un coup de gueule. C'est-à-dire que ce matin, je suis tombé sur la vidéo d'une abonnée. Qui a sa chaîne YouTube, une abonnée qui très souvent commente dans mes vidéos. Et ce matin, en fait, je reçois une notification de YouTube pour me dire que quelqu'un m'avait mentionné. Donc, je vais voir la mention et là, je tombe sur la vidéo où elle me fait une grosse dédicace. Donc, d'ailleurs, je te fais un gros big up aussi à toi. Plein de bisous et tout ce qui va avec. Et en fait, ce qui m'a profondément frustré, c'est que quand même, c'est pas une petite chaîne. C'est-à-dire qu'elle a plus de 4000 abonnés. Donc c'est déjà honorable. Et ça m'a frustré de découvrir que j'avais des abonnés qui avaient plein de choses, qui avaient des activités, qui avaient des chaînes. Mais vous savez, je vous ai dit hein, dans la vidéo être youtubeur ça fait quoi, je vous ai montré l'autre côté, hein, la face cachée de YouTube et quand on est créateur de contenu. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner quelque chose, c'est que on est tellement concentré sur nos chaînes, on est toujours tellement à travailler sur nos vidéos, nos contenus, nos chiffres, les statistiques, les tout ça, que on prend même pas en fait le temps. Enfin, c'est même pas qu'on prend pas le temps. C'est que pour ceux qui sont créateurs de contenu, je pense que vous savez de quoi je parle. Il y a une application qui s'appelle YouTube Studio et qui nous permet de pouvoir gérer notre chaîne via cette application. Sauf que c'est uniquement une application où on peut gérer le derrière de notre chaîne. On n'a pas accès aux vidéos, etc., etc. Donc la plupart du temps, moi, il faut savoir que je ne vais pas sur l'application YouTube, sauf quand je vais voir mes vidéos. Enfin, quand je dis mes vidéos, c'est les vidéos de mes youtubeurs, quoi, des personnes que je suis. Mais la plupart du temps, je suis sur YouTube Studio et par conséquent, je ne sais pas. C'est-à-dire que je lis les commentaires, mais derrière les pseudos, enfin derrière les profils, je ne sais pas s'il y a une chaîne, je ne sais pas s'il y a des choses derrière, et ça me frustre parce que du coup j'ai découvert ce matin que, eh bien, mes abonnés avaient eux aussi leur chaîne, qu'ils avaient aussi des choses. Donc cette vidéo vous est complètement consacrée, cette vidéo vous est dédiée, et je vous demande s'il vous plaît en commentaire. Alors souvenez-vous, il y avait plusieurs mois de ça en arrière, je vous avais fait une vidéo spéciale où je vous proposais l'espace commentaire pour faire votre publicité, parce qu'il faut dire ce qui est, mais quand on est youtubeur, on veut la couverture pour soi, hein, donc beaucoup, 90 voire 95% des youtubeurs ne permettent pas qu'on fasse de publicité sur leur chaîne, et moi je veux pas ça.
Je veux pas ça, je veux pas cette exclusivité parce que beaucoup de personnes méritent d'être connues. Il y en a qui, je suis désolé, méritent d'être plus connues que d'autres qui sont déjà connues. Comprendra qui pourra. Non, mais je vise personne quand je dis ça. Mais c'est une constatation. Je connais des personnes qui sont très intéressantes, qui sont très intelligentes, qui font des choses extraordinaires, que ce soit artistiquement parlant, en termes de créativité, ou même de ce qu'il y a dans la tête. Ils ont plein de choses qui sont super intéressantes et qui sont pas connues alors que eux le mériteraient. Et d'autres qui littéralement récoltent des milliers d'euros pour raconter de la merde. Voilà, bon bref, c'est pas le sujet, hein, mais on va dire que cette vidéo fait office de suite et fin à être youtubeur, ça fait quoi? Voilà. Donc cet espace de commentaires là sous cette vidéo, vraiment faites-vous plaisir, mettez-moi ce que vous faites dans la vie. Pour que je puisse, d'une part moi, à titre personnel, eh bien savoir les abonnés qui se cachent derrière mes abonnés, que je sache qu'est-ce que vous faites de votre vie. Si vous êtes professionnel, commercial et autres, eh bien n'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous faites, le nom de votre entreprise, si vous avez un site internet, les services que vous proposez, les choses que vous fabriquez. Et on s'en fout de savoir si c'est en lien avec la voyance ou pas. Vraiment, c'est pas ça que je vous demande. C'est-à-dire que si votre passion c'est de créer des petits bijoux artisanaux, eh bien mettez-le en commentaire. Mettez votre boutique Etsy si vous en avez une, votre site internet, des coordonnées pour vous contacter, etc., etc. Votre compte Instagram, votre page Facebook. Enfin vraiment, voilà. N'hésitez pas à vous faire plaisir et à faire des commentaires qui soient le plus long et le mieux décrit que possible. Si vous avez des chaînes YouTube, eh bien dites-le aussi, ça peut être intéressant. Et mettez aussi, mentionnez la thématique de votre chaîne YouTube. Si c'est une chaîne qui traite du gaming, bah moi ça peut m'intéresser, et puis d'autres abonnés ça peut aussi les intéresser. Parce que le problème sur YouTube, c'est que on est un peu cantonné à des habitudes de vieux. Je m'explique. C'est-à-dire que on a nos petits YouTubeurs qu'on suit, qu'on aime bien suivre, et on se contente de ça. Et de temps en temps, on laisse le flux YouTube nous surprendre par des vidéos de chaînes qu'on ne connaît pas, mais il faut quand même reconnaître quelque chose, c'est que YouTube met en avant surtout des chaînes ou des vidéos qui sont déjà populaires. Et à titre personnel, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie de voir la vidéo qui a fait 60 millions de vues où on voit un singe qui se gratte les fesses pendant 10 minutes. Enfin, honnêtement, voilà. Bon, c'est un exemple, mais c'est pour, voilà, pour vous dire, c'est pas forcément le type de choses qui m'intéresse. Mais par contre, dès qu'on cherche des trucs un peu techniques, on n'a pas forcément l'idée de chercher. C'est-à-dire que si on veut voir la review de tel jeu, on va taper le nom du jeu. Si on veut voir, je sais pas moi, une vidéo sur, je sais pas, 10 choses intéressantes à savoir, on va taper 10 choses intéressantes à savoir. Mais YouTube, du coup, ne va pas forcément nous diriger vers une chaîne spécifique. Et je trouve ça dommage parce que là, pour le coup, l'abonné en question dont je vous parle, j'ai découvert sa chaîne. J'ai découvert qu'elle faisait des choses qui étaient très intéressantes, qui n'avaient pas forcément de lien avec la voyance, etc. Mais moi, c'est ce que j'aime et je pense qu'on est beaucoup aussi à aimer ce genre de contenu. Je pense que vous n'aimez quand même pas que la voyance et la magie, c'est pas possible, non, vous aimez d'autres choses dans la vie. Eh bien justement, faites-vous plaisir dans l'espace commentaire que je vous laisse à disposition pour décrire ce que vous faites dans la vie. Alors attention, quand je dis ce que vous faites dans la vie, je parle d'une activité qui est visible, hein, c'est-à-dire ne mettez pas que vous êtes boulangère dans un village qui fait 1000 habitants. Enfin, pourquoi pas, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais voyez ce que je veux dire, c'est si vous êtes professionnel, si vous êtes commerçant, si vous êtes créateur de contenu, si vous êtes quelqu'un entre guillemets de visible, de public, et que vous faites des choses ou que vous proposez des choses ou que vous vendez des choses, eh bien n'hésitez pas, voilà, à mettre dans l'espace commentaire. C'est pour vous, c'est cadeau, donc faites-vous plaisir parce que voilà, comme je vous ai dit, moi ça me frustre d'avoir des abonnés, d'être concentré sur ma chaîne. Vous vous rendez compte, je vous l'ai dit dans la vidéo, être youtubeur ça fait quoi? J'ai tellement peu de temps à consacrer que quand je vais voir les vidéos des copains, des copines, bah, d'une part je fais autre chose à côté, donc très souvent la vidéo je ne la regarde pas mais je l'écoute. C'est pour ça que je vous disais, ce qui est important c'est le son, parce que moi l'image, vous pourriez presque faire un podcast, moi ça m'arrangerait, parce que de toute façon l'image je la regarde pas très souvent, hein. Et très souvent je fais autre chose à côté, soit la cuisine, étendre le linge, ou même en train de monter une vidéo. Donc j'ai pas de temps, en fait j'ai pas de temps à consacrer, et c'est tellement chiant d'être concentré sur son travail qu'on passe à côté de plein de trucs, et ça me frustre vraiment. Donc voilà, faites-vous plaisir dans les commentaires, mettez-moi ce que vous faites, comment est-ce qu'on peut avoir accès à vos produits, à vos services, etc., etc. Et ce que j'aimerais, s'il vous plaît, alors
C'est une des conditions que je vais vous imposer, c'est dire faites-moi un truc vendeur, hein, enfin quand je dis un truc vendeur, vous contentez pas de me mettre deux lignes en disant cartomancie et adresse mail. Non, je veux pas ça. Mettez quelque chose qui soit constructif, qui soit détaillé, qu'on sache qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous proposez, les articles que vous créez, etc. Le site, le lien vers le site, vers Etsy, vers Instagram, vers Facebook, machin. Voilà, je voudrais pouvoir vous offrir un petit espace de visibilité pour permettre, eh bien, je me dis, mince, quand même, 7000 abonnés, voilà, ça va peut-être vous attirer de nouveaux clients, de nouvelles personnes, etc. Enfin voilà, moi je veux ce partage, je suis pas dans cette secte hein, que beaucoup de youtubeurs sont. Non mais si, faut dire ce qu'il y a. Il y a certains trucs qui sont sectaires. Enfin, c'est pas YouTube qui est sectaire, c'est les créateurs de contenu qui ont un comportement sectaire et en gros, voilà, ça c'est ma part de la couverture et je ne la lâche pas, tu ne l'auras pas. Bah non, si, dommage, si, parce que ça pourrait se partager, quoi. Mais bon. Bref, c'est un autre sujet. Bon, voilà les amis, pour cette courte vidéo, je vous ai dit qu'elle serait très courte. En plus, il n'y aura même pas de montage, j'aurai rien du tout. Je vous colle juste le générique en début et ça ira très bien. Et moi, je vais retourner me coucher. Et on se retrouvera là. Bah, de toute façon, je vous ai prévu plein d'autres choses. Hein. D'ailleurs, j'en profite, tiens, je vais faire ma pub. Je vais faire ma pub aussi. Je vous ai prévu une vidéo sur comment utiliser les cartes en magie. Vous allez voir, je pense que c'est un sujet qui va vous intéresser, puisque je vais vous montrer qu'on peut utiliser le tarot ou un oracle pour pratiquer la magie. Et ça va parler aux débutants, pour ceux qui débutent en magie, parce que très souvent on ne sait pas forcément quoi faire, on ne sait pas comment commencer. Et les cartes, je vais vous montrer que les cartes peuvent être un support intéressant pour travailler des rituels, pour faire des rituels, pour avoir des idées de rituels de magie, etc., etc. Je vous ai prévu aussi, et ça, je sais que ça va faire beaucoup plaisir à plusieurs d'entre vous, je vous ai prévu vu une saga sur le tarot. Donc je pense que ça va être une saga en 5 vidéos. Je pense qu'on va se faire 5 vidéos. Première vidéo qui sera dédiée aux arcanes majeures et ensuite on se fera toutes les séries. Série des bâtons, des coupes, des deniers et des épées. Et vous allez voir que pour cette saga de vidéos, je vous propose de vous débarrasser des livres. On balance tous les livres de côté et je vais vous montrer une méthode. Alors, je dis pas que c'est la vérité, d'accord? Mais je trouve que c'est une méthode qui est très simple pour apprendre le tarot, puisqu'il faudra uniquement connaître la numérologie de 1 jusqu'à 10, connaître la référence des éléments, des 4 éléments, et faire appel à sa logique et son intuition. Voilà. Et vous allez voir que le tarot, je vais vous le démystifier, mais alors d'une façon extrêmement simple et ludique. Vous allez voir que le tarot peut se faire à l'intuitif. On va bien sûr se baser sur des tarots type Rider-Waite-Smith. Et ensuite, une fois que vous maîtriserez bien, là, vous pourrez passer sur du tarot de Marseille, puisque de toute façon, après, vous aurez appris les bases et vous connaîtrez à peu près toutes les ficelles. Alors bien sûr, le tarot, il y aurait moult et moult de choses à dire, à apprendre, mais vous allez voir que ce que je vais vous proposer, c'est vraiment une méthode simple, rapide, efficace pour apprendre le tarot, et je vais pas dire le maîtriser, mais pour l'utiliser de façon assez simple, l'inclure dans son quotidien. Bref, je vous en dis pas plus. Je vous ai fait un petit teaser, ça suffit. Sur ce, maintenant, je vous laisse avec votre espace de commentaires qui est pour vous. Moi, je vous embrasse et on se retrouve vite dans les prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.